Et voici la vidéo règle de Mister Rami Jack l'Éventreur, un jeu de cartes de Rami et d'enquête. Effectivement, ça mélange les deux. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est de Mike Fitzgerald et c'est édité en France par Edge. Au niveau matériel, tout simplement 62 cartes et c'est tout, avec une règle de jeu bien sûr. Il y a deux cartes qui sont recto verso. J'ai lu sur certains forums que certains se demandaient à quoi servaient ces cartes. Elles ne servent à rien, on peut les jeter. Et voici l'intérieur de la boîte dans laquelle sont présentés les suspects. Effectivement, nous sommes à Londres et Jack l'Éventreur a frappé et frappe encore. Nous allons tenter de découvrir en tant qu'enquêteur qui est Jack l'Éventreur parmi ces six personnages. Alors, comme son nom l'indique, Mister Rami est avant tout un jeu de Rami. Alors, ne vous attendez pas non plus à un jeu vraiment d'enquête. C'est un jeu de Rami, c'est-à-dire un jeu sur lequel il faudra qu'on arrive à poser des cartes devant soi pour marquer un maximum de points. En haut à droite de chacune des cartes du jeu, vous avez les points que vous rapporteront cette carte si vous arrivez à la poser en jeu devant vous. Ensuite, les cartes sont d'abord divisées en deux grands types. Nous avons le type loupe et le type marteau de juge. Alors à quoi ça va servir? Eh bien c'est juste pour symboliser que les cartes avec un marteau, vous ne pourrez en jouer qu'une seule lors de votre tour. Alors que les cartes avec les loupes, si vous avez le droit de les poser en jeu parce qu'il y a certaines conditions, eh bien vous pourrez en jouer autant que vous voudrez. Alors il est à noter qu'en début de partie, il vous faudra de préférence donner un crayon à chaque joueur ainsi qu'un bout de papier par joueur, car au cours de la partie, il faudra voter pour Jack l'Éventreur. Nous verrons cela tout à l'heure. Ensuite, on mélange bien le paquet et on va distribuer un nombre de cartes qui va dépendre du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2, vous allez distribuer 10 cartes à chaque joueur, à 3, 9 cartes par joueur, et à 4 joueurs, 8 cartes par joueur. Une fois la distribution effectuée, on place le reste du paquet face cachée sur la table au centre du jeu. Ce paquet sera appelé le fichier. Ensuite, on va retourner la première carte du fichier pour la mettre face visible. Elle va constituer la première carte de la défausse. La défausse sera appelée Scotland Yard. Un premier joueur à désigner pour commencer. Avant toute chose, lorsque c'est un joueur de jouer, il sera obligé de piocher une carte, soit sur le paquet fichier, soit sur le paquet Scotland Yard. Donc on a toujours le choix de prendre la dernière carte défaussée sur le paquet de défausse, ou bien de piocher sur le paquet face cachée. Après avoir pioché cette carte et ajouté On à sa pourra main, jouer autant de cartes loupes que l'on veut et une seule carte marteau. Alors, pour pouvoir jouer une carte loupe, eh bien déjà, toutes les cartes loupes sont des cartes preuves. Il y a toujours marqué preuve sur les cartes loupes. Pour avoir le droit de jouer des preuves contre quelqu'un, eh bien il faudra déjà bien sûr qu'il y ait une victime. S'il n'y a pas de victime en jeu, il sera interdit de poser des cartes preuves. Dans tout le jeu, il y a 5 cartes victimes, qui sont des cartes marteau, donc je vous rappelle, vous ne pouvez en jouer qu'une par tour, et elles sont associées par leur couleur à 5 cartes scènes. Ce sont les scènes de crime où sont retrouvées les victimes. Donc, par exemple, pour la victime Mary Nichols, elle sera associée à la carte scène Buck's Row. D'accord? Elles ont la même couleur en fait. Alors sur toutes les cartes, il est marqué ce qui se passe lorsqu'on la pose. Donc si un joueur décide de poser par exemple la victime, eh bien il aura le droit de piocher 2 cartes du fichier. Il pose donc la carte victime et récupère immédiatement 2 cartes sur le paquet de pioche qu'il va pouvoir ajouter à sa main. Pour les cartes scènes, qui sont aussi jouables à n'importe quel moment, à condition d'en jouer qu'une seule par tour, eh bien elles vous permettront, elles, de piocher une carte provenant de Scotland Yard. En jouant une scène, vous aurez donc la possibilité de prendre tout le paquet de défausse et de choisir la carte de votre choix pour l'ajouter à votre main. Vous aurez même le droit de la jouer si vous avez le droit de la jouer. Donc. Attention cependant, il y a une autre capacité spéciale en jouant ces cartes. Effectivement, les cartes victimes et les cartes scènes sont associées. Si par exemple quelqu'un avait déjà joué une victime et que vous jouez une scène, eh bien après avoir utilisé la capacité spéciale de la carte, vous allez en plus récupérer la carte de l'autre joueur pour l'ajouter à votre jeu qui a été placé face visible devant vous. De la même façon, si c'est l'inverse, si c'est une carte scène qui a été jouée et qu'une carte victime est jouée en deuxième, eh bien la scène rejoint la victime. C'est donc toujours le dernier joueur à jouer une carte victime ou scène d'une couleur concernée qui récupérera la carte de l'autre joueur.
Évidemment, si c'est vous qui avez déjà posé la scène, eh bien, il ne se passe rien si vous ajoutez la victime de la même couleur. Alors, comment jouer les cartes preuve loop? Première condition, il faudra qu'il y ait une victime. Il faudra donc qu'autour de la table, au moins un joueur ait posé une victime en jeu. À partir du moment où une première carte victime a été posée, n'importe quel joueur, lors de son tour, aura le droit de poser des cartes preuve. Les cartes preuve se posent au minimum par 3. C'est-à-dire que si vous avez trois cartes de la même couleur preuve, eh bien vous aurez le droit de les jouer en jeu, à condition bien sûr qu'une victime ait été jouée. On peut les jouer par plus de 3, donc on peut en placer 4 aussi. Et il y a aussi la possibilité, si quelqu'un a déjà joué une série de trois preuves d'une couleur, de rajouter des cartes devant soi de cette même couleur. Donc à partir du moment où quelqu'un a posé une série de trois cartes de même couleur, eh bien, n'importe qui pourra poser devant lui des preuves de cette couleur. Alors, attention à l'erreur de débutant qui est d'associer la couleur des victimes à la couleur des preuves. Ça n'a rien à voir. Il suffit qu'il y ait une victime pour avoir le droit de poser en jeu par n'importe quel joueur n'importe quelle couleur de preuve. La couleur des preuves ne correspond pas du tout à la couleur des victimes. La couleur des victimes est juste associée à la couleur des scènes. Alors, attention, il existe aussi une série de preuves lettres. Cette série de preuves lettres ne correspond pas à la couleur d'un suspect avec un alibi. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra toujours les jouer que s'il y a déjà une victime, mais ces cartes vont rapporter plus de points que les preuves habituelles, qui rapportent d'habitude 2 points. Les cartes preuves lettres rapportent plus de points. En revanche, par contre, elles n'auront pas de suspect et d'alibi associés. Il existe aussi en jeu des preuves Joker qui permettent de remplacer n'importe quelle couleur. Pour poser une carte Joker, il faudra obligatoirement, lors de la pose, l'associer avec une carte d'une couleur. Donc là, par exemple, je pourrais poser trois cartes orange en utilisant ce Joker comme une carte orange. Par contre, lors d'un tour, je ne peux pas poser cette carte toute seule. Il faudra obligatoirement l'associer avec une autre carte de couleur. Nous avons ensuite des cartes suspects et des cartes alibi qui sont toutes des cartes marteau, c'est-à-dire limitées à une Pour partout. avoir le droit de jouer une carte suspect ou une carte alibi, il faudra par contre qu'une série de preuves de la même couleur ait déjà été jouée par n'importe quel joueur autour de la table. Donc cette fois-ci, la couleur des suspects et des alibis est bien associé à la couleur des preuves. On peut jouer ces cartes indépendamment dans n'importe quel ordre. Donc par exemple, quelqu'un peut poser des preuves contre un joueur, quelqu'un peut immédiatement poser un alibi avant même que le suspect soit posé. Ou bien on peut poser le suspect en premier avant de poser l'alibi. Par contre, là, il n'y a pas d'histoire de piquer les cartes aux autres joueurs. Elles n'ont pas de capacité spéciale, ces cartes, juste de rapporter des points à celui qui les place devant lui. Il existe un alibi spécial utilisable par le prince Eddie ou Surgle. Lorsqu'un joueur jouera cette Il carte, devra choisir quel alibi il désire utiliser en plaçant la carte soit à l'envers, soit à l'endroit. S'il la met à l'endroit, ce sera pour disculper le prince Eddie. S'il le met à l'envers, ce sera pour disculper Surgle. Alors une fois qu'un joueur a pioché une carte, joué autant de cartes qu'il pouvait, eh bien ensuite il est obligé en fin de tour de défausser une de ses cartes à Scotland Yard. Et en général, c'est là que c'est difficile parce qu'il faut choisir parmi les cartes qui nous restent en main, une à défausser qui pourra évidemment être récupérée par le joueur suivant puisqu'il aura le droit de piocher soit à Scotland Yard, soit dans le fichier. Enfin, il y a trois types de cartes grises, qui sont des cartes marteaux qui ont des capacités Aussi. spéciales. L'éventreur frappe encore, qui rapporte 0 point en fin de partie quand elle est posée devant un Lorsqu'elle joueur. est jouée par quelqu'un, eh bien celui-ci va tirer les 5 premières cartes du paquet jusqu'à ce qu'il tombe sur une victime. Donc là, 1, 2, 3, ce sont que des preuves. 4, j'ai tiré une victime. À ce moment-là, j'ai le droit de jouer immédiatement, enfin je dois jouer immédiatement la victime devant moi. Et je ne pioche pas de cinquième carte. Par contre, j'aurais pu aller jusqu'à 5 cartes si je n'avais pas tiré de victime. Évidemment, lorsqu'une victime est jouée comme ceci avec l'éventreur frappe encore, on peut bien sûr récupérer la carte saine si elle avait déjà été précédemment jouée par un autre joueur. Et on gagne aussi les deux cartes du fichier en piochant les deux cartes du dessus du paquet. Alors, évidemment, cette carte permet de faire tomber les victimes plus rapidement afin de pouvoir jouer des cartes preuves, par exemple. Si personne n'a joué de carte victime, eh bien, il faudra bien qu'au bout d'un moment, quelqu'un pose une victime. Ceci peut servir à fouiller le paquet pour trouver des victimes plus rapidement et ainsi jouer ses cartes preuves. Ensuite, il y a la démission du préfet de police. Effectivement, celui-ci jette l'éponge. Lorsqu'un joueur pose cette carte devant lui, elle lui rapportera 0 point en fin de partie.
Tous les joueurs doivent immédiatement mettre en jeu les cartes victimes éventuelles qu'ils ont en main. Donc en fait, toutes les cartes victimes tombent lorsqu'on joue une telle carte. En revanche, personne ne piochera de carte du fichier. Normalement, quand on joue une carte victime, on pioche une carte provenant du fichier. Eh bien, ce n'est pas le cas si on a été obligé de poser sa victime par l'intermédiaire de la démission du préfet de police. Enfin, nous avons la carte unique, l'éventreur s'échappe. Il n'y en a qu'une seule dans le jeu et elle apporte une fin de partie différente. C'est pour ça que nous allons la voir Alors, vous aurez ensuite. compris qu'au fur et à mesure du jeu, eh bien, des victimes vont tomber. On va découvrir les scènes. Ensuite, on va découvrir des preuves. Peut-être qu'on va même arrêter les suspects, mais peut-être que certains d'entre eux auront des alibis. Alors, à quoi va servir tout cela? Eh bien, ça va servir parce qu'à la fin du jeu, nous allons savoir qui est Jack l'Éventreur. La fin de partie va effectivement arriver lorsqu'un joueur parviendra à se débarrasser des dernières cartes qu'il a en main, soit en les posant, soit en jetant la dernière à la fin de son tour. À ce moment-là, on regardera qui est Jack l'Éventreur en faisant le cumul des points dans chacune des couleurs de suspect. Donc là, par exemple, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points contre Surgle, puisqu'il y a une carte suspect et des cartes preuves. Par contre, il y a un alibi qui a été posé en jeu pour Surgle. Ça veut dire que comme il a un alibi, ça ne peut pas être lui. À ce moment-là, nous n'allons même pas compter ses points et on va regarder quel est le personnage qui a accumulé le plus de points en dehors de Surgle. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contre le docteur Pedachenko. Eh bien, ce sera donc lui qui sera déclaré être Jack l'Éventreur pour cette partie. Alors, à quoi ça sert de savoir qui est Jack l'Éventreur? Eh bien, déjà, premièrement, il y a un premier avantage, c'est que toutes les cartes de la couleur du personnage étant Jack l'Éventreur vont voir leur score multiplié par 2. Donc, ça veut dire, par exemple, que pour ce joueur, qui a 1, 2, 3, 4 pour le docteur Pedachenko, eh bien, ça lui rapportera 8 points de victoire pour ces deux cartes, auxquelles il pourra ajouter les points de toutes les autres cartes qu'il a jouées. Deuxième chose, en fin de partie, il y aura 10 points bonus qui seront accordés à chaque joueur qui aura découvert avant la fin de partie quel sera Jack l'Éventreur en fin de partie. Alors comment ça va se passer? Je vous en ai pas encore parlé, ça va se dérouler en fait pendant le jeu. Pendant que l'on joue, au début du tour d'un joueur, c'est-à-dire avant qu'il pioche sa carte, eh bien un joueur pourra décider que l'on passe au vote. À ce moment-là, chacun devra prendre un papier et un crayon et noter secrètement à l'abri du regard des autres joueurs le nom de Jack l'Éventreur, enfin du personnage que l'on pense être Jack l'Éventreur en fin de partie. Ce vote sera déclenchable bien sûr qu'une seule fois, et donc n'importe quel joueur, au début de son tour, à n'importe quel tour du jeu, pourra décider que l'on procède à ce vote. Ce n'est qu'en fin de partie que nous vérifierons les votes de chacun. Tous ceux qui ont découvert le bon Jack l'Éventreur marqueront 10 points supplémentaires de score. Attention, pour tous les joueurs qui ont encore des cartes en main, eh bien ils vont devoir soustraire ce nombre de points apportés par ces cartes du total qu'ils ont réalisé avec les cartes qu'ils ont posées en jeu. En revanche, les cartes preuves qui auraient pu être jouées parce que des séries ont déjà été jouées sur la table, eh bien ne sont pas soustraites. Par exemple ici, il avait une carte orange, et eh bien comme il y avait une série orange, il aurait pu jouer cette carte-là. Elle n'est donc pas décomptée en négatif. Il peut la jeter, il va compter uniquement ces cartes-là en négatif par rapport aux cartes qui lui restent. Il y a évidemment plein de petites subtilités pour provoquer ce vote plus ou moins tôt en gardant des alibis par exemple qui pourront perturber un petit peu la solution de savoir qui est Jack l'Éventreur en fin de partie. Mais revenons à la carte L'Éventreur s'échappe. Effectivement, cette carte va pouvoir permettre de terminer les parties d'une façon différente que celle que je vous ai expliquée, qui est la plus classique, c'est-à-dire qu'un joueur se débarrasse de ses dernières cartes en main. Cette carte-là va rapporter 35 points à celui qui va réussir à la poser, et dès qu'elle sera posée, elle va interrompre immédiatement la partie. Alors comment ça va se passer? Eh bien par contre, pour avoir le droit de poser cette carte en jeu, il faudra que les 5 victimes aient été déjà posées en jeu par l'ensemble des joueurs. Lorsque la partie prend fin en posant la carte L'Éventreur s'échappe, eh bien toutes les cartes vont valoir 0, sauf les cartes saines et les cartes victimes que les joueurs auront devant eux.
Donc là, par exemple, l'éventreur qui s'échappe, donc celui qui a joué cette carte va marquer 35, 36, 37, 38, 39. Les autres cartes ne sont pas comptabilisées. Pareil pour les autres joueurs qui, eux, ne vont compter donc que leurs victimes et leurs scènes. Donc là, un point pour ce joueur-là et un point pour ce joueur-là. Donc vous comprenez bien que cette carte est quand même très intéressante à jouer en général si vous l'avez et si vous avez la possibilité de la mettre. L'inconvénient, parce qu'il y en a un quand même, c'est que si jamais vous avez cette carte en main alors que la partie prend fin autrement qu'en la posant, c'est-à-dire un autre joueur termine en posant sa dernière carte, eh bien le joueur qui a gardé la carte L'éventreur s'échappe va perdre 2 points par victime qui a déjà été posée en jeu. Il y a 2 autres façons que le jeu se termine. Le premier est à chaque fois qu'on va finir le paquet du fichier, en fait, le paquet de pioche, eh bien on remélangera toutes les cartes qui ont été défaussées à Scotland Yard pour refaire un nouveau paquet. Si jamais ce paquet s'épuise une seconde fois, eh bien dès qu'on aura tiré la dernière carte du paquet, la partie prendra fin immédiatement. Et à ce moment-là, on effectuera un décompte comme si Jack l'Éventreur s'était échappé. C'est-à-dire que vu que personne n'a joué la carte Jack l'Éventreur s'échappe, visiblement, puisqu'on est arrivé à ce cas de figure, eh bien on va compter uniquement les points des victimes et des scènes. Deuxième fin de partie extrêmement rare, quelqu'un joue la démission du préfet de police, ce qui force un joueur à défausser sa dernière carte, c'était donc une carte victime. Lorsque la partie se termine de cette manière, on comptera les points normalement. Je récapitule le tour d'un joueur. Lorsque c'est un joueur de jouer, il peut d'abord provoquer un vote s'il n'a pas encore été fait, bien sûr. Deuxièmement, il est obligé de piocher une carte provenant soit du fichier, soit de Scotland Yard. Ensuite, il peut jouer une carte marteau et autant de cartes preuves que possible, à condition bien sûr que des victimes aient déjà été posées en jeu. Et enfin, il est obligé de rejeter une carte sur Scotland Yard, avant que ça passe au tour du joueur suivant. Voilà pour Mister Rami Jack l'Éventreur, un excellent petit jeu de Rami qui rajoute quand même quelques subtilités qui sont très sympathiques à découvrir en jouant. Vous verrez en faisant quelques parties qu'il y a plein de petites manières en fait d'essayer de tirer la couverture à soi pour marquer un maximum de points et empêcher les autres d'y arriver. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.